Salut à tous, c'est Démoniax pour la chaîne de Demotuse et aujourd'hui on est avec Arsenic. De nouveau. Ouais, de nouveau. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'autre caméra, on ouvre des cartes Pokémon mais en version coréenne. Ouais, coréenne, donc on en a 7. On va bien voir ce que ça donne. On a eu, enfin, j'ai trouvé ça sur... sur eBay. Sur eBay, pas trop cher. Et on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Et puis, je pense que j'en rachèterai peut-être si on trouve des trucs sympathiques. Si ça nous plaît, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, on vous laisse en juger, hein, après. C'est ça. Donc, voilà. On se les pré-ouvre et puis après, on se retrouve. C'est parti. Alors, de retour pour l'ouverture du premier booster. Donc, dans ces boosters, je crois qu'il y a 5 cartes. Bon. Ça voudrait dire deux fois moins que dans les français, ce qui peut aussi expliquer le prix. Mais je crois qu'elles sont dans l'ordre, donc pas besoin de les trier. Hop. Ouais. Bon, après moi je connais pas les nouveaux, donc ça va être compliqué de vous dire les noms. Mais une pomme. Voilà. Une pomme avec des yeux. Négapi. Dracos. Ouais, c'est Dracos. Dracos, ouais. Une glace. Ok. Quoi ce truc? T'avais dit, je t'avais dit, avec le poids, tu peux déterminer si c'est un booster qui est bien ou pas. Et donc là, on voit que bah, c'est. Tortue Ninja. Non, c'est le Zora Magdaros. Ouais, bah voilà. Ouais, de ouf. En miniature. L'enfant. On a trouvé bébé Zora. Donc, pour le second, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va pas leur voler leurs 4 cartes parce qu'elles sont super chiantes à ouvrir. C'est pas comme les versions françaises et tout, c'est un peu plus galère. Donc, première. Granivole. Ouais, je l'ai fait la même à chaque fois. Floravole, je crois. Et après, il y a Cotovole avec ses cotons, ouais. Là. Non, c'est pas un. Non, c'est un arbre. Soit t'as Cotovole, soit t'as l'autre. Peut-être, je sais plus. Moi, je me rappelle que du truc voilà. Bleu avec les 3 boules blanches. Serfrousse. Ouais. Sablero. Sablero. Faramp. Et. Ah. Ah, une petite holo. Ouais. Et c'est un Dratak quand même. On avait Dracos, on a Dratak. C'est sympathique. Elle est sympathique. Bon. Après, c'est pas non plus la folie, mais bon, on va peut-être mettre une petite sleeve. Ouais, je veux. Alors, on continue. Celui-là m'a l'air encore un peu pas ultra lourd, mais bon, un peu mieux que les autres déjà. Je miserais pour une holo aussi. Je sais pas pourquoi, mais on va voir. Bon. Sablette. Sablette. Je n'en ai aucune idée. Chez un des nouveaux, là. Un bonhomme de neige. Un singe en feu. Ah, c'est. C'est. Ouais. Flatoutant ou flamoutant ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais, je vois. Une énergie. What the fuck. C'est une galaxie. Et c'est de la merde. Ah, ça, je connais c'est ça. C'est de la merde, mais. C'est Froussardine. D'accord. Parce que j'ai. Ouais. Merci, Soleil et Lune. Y'a même pas d'eau, je suis vert. Bon, c'est pas grave. Il était lourd pour rien. Ouais, c'est clair. Et enfin, mon dernier. Allez. Espérons un vrai truc. Hein, parce que... Ouais, mais là, j'ai pas grand espoir. Je pense que peut-être sur le prochain que j'ai... Enfin, sur les 30 prochains que j'ai pris, là, peut-être que j'aurai beaucoup plus de chance, à mon avis. Bah, dans les displays, t'as plus de chance. Ouais, c'est ça. Oh, bah, dis donc. La pomme, avec les yeux. Une dresseuse. Je connais pas son nom. Négapi, encore une fois. L'euphorie et. C'est de la merde. Ah. Oh, mais c'est exactement le même tirage. Hein. Bon. Mini Zora Magdaros. Vas-y. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai pas eu de chance, j'ai juste eu un Dratak. Ça me frustre. Mais je crois qu'il était dans Soleil et Lune, ce truc là. Pour alors la bonne question. Je sais plus. Hein. Franchement, j'ai joué vite à Soleil et Lune. Moi, je me rappelle de quelques Pokémon après. Moi, je me suis arrêté, j'ai joué vite fait Noir et Blanc après. Allez, premier dresseur. Quoi, premier dresseur? Je suis sûr que je vais piocher un dresseur après, avec cette connerie. Bon, déjà, essaye de nous sortir au moins minimum une holo, quoi, ça serait cool. Ça... De ouf. Ah là,
On va retourner ça proprement. Goopix. Déjà, Goopix. C'est déjà bien. Je sais pas, c'est un des deux autres, ouais. Des trois autres là. Je sais comment il s'appelle. Feuillajou, je crois. Ou un truc comme ça. Flamajou, Feuillajou et. Faut qu'on ait une. Comment il s'appelle ? Je sais que son évolution. Chelours. Ouais, c'est son évolution. C'est Chelours. C'est le seul que je connais dans les nouveaux. C'est. Nounourson, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah, t'abuses, t'es le seul à avoir. Enfin, entre nous deux, t'es le seul à avoir joué aux nouvelles versions là. Ils m'en foutaient, ils avaient des noms, frère. Bon. Super Bowl. Et c'est de la merde. C'est un Pokémon haut. Ah, c'est. Coquillas, non ? Cristabri. Ah non, c'est Cristabri. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça a l'air d'être une version chelou, il écrit Yon. Ouais, ouais, non, mais là aussi, ouais. Comme l'autre. J'ai pas le coréen. Je sais pas comment on va s'y mettre. Hein. Ouais, je te. Comme ouais, je te laisse apprendre en premier alors. Comme ça, on apprendra les noms des Pokémon, ça sera plus simple. Ah merde. Ils seront en anglais alors, les noms des Pokémon. Quoi ? Genre leur phonétique elle est en même elle est pareille que le peut-être ouais que les anglais je crois je sais pas franchement genre si dire. Leur psychocode genre il va genre tu vas lire un truc du genre Psy de Huck ou un truc comme ça genre. C'est qu'est-ce qu'on encore un truc à la con bon bah un petit con. Okay. Ah bah Coquillas maintenant j'ai eu le grand frère yes sablette sort de l'herbe là. Ah bah l'énergie. L'énergie, toi t'avais et... pas. Il nous manque What One. Ah, une V Max. Enfin une V. Une V. Pas... Ah mais c'est Charmina de... Ouais ouais ouais. Du let's play Pokémon Diamant quoi. Bah... Ouais bah sympathique. Pas extraordinaire mais sympathique. Oh c'est déjà un bon début. Ouais bon ouais. Attendez, on va débarrasser la table. Et donc on a... Un dernier booster à ouvrir. Et je crois que c'était lui le plus lourd ou c'était l'autre d'avant. Je sais plus. Bah ça se comprend si c'est l'autre d'avant. Je sais plus. Ah bah le singe de feu. Celui que j'ai eu. Ah non ouais. C'est le même. Si c'est le si, même. Si c'est le même. Tropius. Je le kiffais dans Emerald. Je sais pas pourquoi. Ouais mais il était claqué. Hein. De ouf. Il me semble claqué. Qu'il était claqué. Oui. Pourri. Mais fort. Ah bah j'ai le pote. Posipi. Et enfin, ah non. C'est quoi ça ? Bon, je pense que tu vas avoir de la... Ça va être nul. Ça va être naze. Eh ouais. Ouais, bah c'était l'autre qui était bon. C'est quoi ? Ah, quand même. Ouais, c'est une petite holo quand même, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est le Régis électrique. Comment il s'appelle ? What ? Tu en as un électrique maintenant ? Ouais. C'est parce que j'ai regardé une vidéo. Y a pas une version dragon aussi maintenant, il me semble ? Ouais, je crois. Ouais, il y a le... Ah si, le roche et le glace de base. Ouais. Il y a le boss avec Regigigas en normal. Ouais. Il y a lui. Mince, désolé, j'ai tapé dans le téléphone. C'est Regi. Parce que c'est sûr, ça commence par ça. Ouais, ouais, bon, bah c'est un Regi Elec ou un truc comme As. Ouais. Et après, il y avait un autre truc, je crois, de glace. Bon, bah. Bon, bah écoutez, ça va. Pas dégueu, mais bon, ça aurait pu être mieux. On a eu une V. Mais c'était pas des boosters du. Enfin, ça devait sûrement provenir de. De différents trucs. De différents, ouais, displays qui étaient peut-être aussi. Qui ont peut-être été aussi pesés. Donc, ça pourrait expliquer qu'on n'ait pas forcément des trucs ultra exceptionnels. Mais je pense que dans les prochaines, ça devrait être un petit peu mieux. J'espère aussi. Ouais, voilà. Bah, ça va, on n'a pas des Pokémon dégoûtants en brillante. Et on a une V. Ouais, voilà. Ça va. Bon bah voilà, on va se laisser là sur cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut !